Christophe, on est très heureux que tu fasses partie de ce projet Performance Process. Tu fais de la peinture, de la sculpture, des installations, des pièces sonores, mais la performance a, depuis le début de ta pratique, été très importante dans ton parcours. Est-ce que tu peux nous raconter les débuts de ton rapport avec la performance? Oui, c'était vraiment un peu la solution qui restait libre pour moi quand j'ai fini l'école à Lucerne. Je ne savais plus rien faire parce qu'on a eu toutes les conventions, les dessins, tout ça. Et j'aimais bien ça, mais je ne voyais plus de possibilités dedans. Et la performance était au commencement des années 80, était très actuelle, elle était très ouverte, très expérimentale, ouverte à toutes les directions, c'était la musique, la danse. Il y avait des personnes qui travaillaient avec la langue et des concepts. Il y a toutes les possibilités qui étaient coupées et ouvertes. Et comme ça, je suis entré dans cette scène et ça me plaisait beaucoup parce que je ne connaissais pas ce que c'est. C'était un pays inconnu pour moi. Et je suis entré dans ce pays et j'ai commencé à faire ce que je ne pouvais pas faire. Quand tu dis que tu es entré dans cette scène, tu parles d'une scène locale, celle de Lucerne, ou plus largement d'une scène suisse, voire plus élargie? Oui, ça n'existait pas encore tout à fait comme scène. Ça, c'était dans les premières étapes, mais ouais. Il y avait vraiment, je pense, une base en Suisse, et surtout à Lucerne, avec Jean-Christophe Hamann qui a pris la danse dans le musée pour faire du musée un lieu multiculturel, multifonctionnel, comme ça. Et pour moi, c'était vraiment très intéressant parce que c'était pas que j'aimais de faire le théâtre ou n'importe quoi, mais c'était vraiment une chose qui était intéressante parce que je pourrais me durant faire des choses comme ça, je ne savais au premier moment pas ce que je fais. Et le résultat était très ouvert. Hein. Ouais. Et les années 80, c'était un peu la fin. Toutes les choses étaient définies. Tout, on a défini ce qui est une peinture. On a eu la toile blanche, toutes les choses étaient définies, on a eu beaucoup de concepts qui ont mis une grande philosophie sur l'art et la performance était la possibilité de trouver un matériau où on peut se sentir. Ouais. On a choisi avec toi un certain nombre d'œuvres ou d'éléments qui se réfèrent à des performances que tu as réalisées sur un laps de temps assez large, plusieurs années. Derrière toi, il y a ces 12 photographies qui permettent de se rendre compte, en tout cas en bonne partie, de cette performance que tu as intitulé Il Contrabandiere, que tu as réalisé en 1996. Comment tu es arrivé à penser et à réaliser ce projet? Oui, ça c'était
quelques années plus tard, parce qu'entre temps j'ai fait beaucoup de performances et j'ai vraiment réagi beaucoup sur les lieux où j'ai fait des expos. Ouais. Au commencement, j'ai réalisé beaucoup d'installations avec une initiation, avec une performance. Et ça, pour moi, ne fonctionnait finalement pas tellement bien. Parce qu'après, on a, avec le public, on a parlé sur la performance et pas sur l'installation. Et j'ai eu toujours ce conflit. Et plus tard, j'ai coupé un peu les deux et j'ai fait la performance et l'expo séparés. Mm-hmm. C'était ici déjà le fait comme ça. C'était à Poschiavo, c'est un valet italien des Grisons qui est de l'autre part de la Suisse. Ouais, ouais. Et les personnes qui vivaient là, ils ont presque tout eu une personne qui a fait le contrebande dans la famille. Parce que ça, c'était vraiment, quand je suis comme enfant, j'ai fait une fois avec le train ce chemin, ouais. Et la vallée a eu un fumée énorme de café. Ouais. C'était parce qu'ils ont importé le café d'Italie, ouais. Et il y a eu vraiment un trafic énorme dans les montagnes avec des à pied. Ils doivent le faire à pied. Ça, c'était la solution, je pense, qu'on a accepté plus ou moins. Et j'ai pris pour ce travaux un vieux chemin de contrebande. Qu'on voit aujourd'hui encore, mais il est très caché. Mmh. Et j'ai pris le drapeau et j'ai coupé le mot dans une nouvelle constellation. C'est le contrebandiere, c'est l'homme qui est contre le drapeau aussi. Bandiera, ouais. Veut aussi dire en italien que c'est le drapeau. Et le drapeau, c'est aussi un peu le symbole pour un groupe, une bande. Et ce qu'on voit à la fin, il y avait eu la bande de Tirano de l'Italie qui est venue de l'Italie pour me t'accueillir, pour me tenir, accompagner ouais. Et aller en Suisse dans le village. Et comme ça, j'ai fait un mix et une nouvelle connotation dans la situation. Qu'est-ce que veut dire être contrebandiste, hein? Ouais. Et en fait, presque 20 ans après avoir réalisé cette performance entre l'Italie et la Suisse, tu as réalisé ce sac pour Performance Process. Donc là aussi, tu proposes une autre manière de couper le mot et pour lui donner plusieurs sens. Oui. Oui, ça c'est énorme, je pense, parce que ça c'est la traduction du mot, change le contenu, c'est un transfert de mots qui est aussi comme un acte
contrebandiste. Hein. Mm. Je contrebande le mot contrebandiere de l'italien en français et je j'ai un nouveau résultat. Et le résultat, c'est aussi que la bande rouge qui commence avec contre, c'est contre, et de l'autre côté, c'est la bande qui vient. C'est vraiment un jeu avec une situation, oui, on ne trouve pas une clé pour ça, je pense. Mais on peut quand même signaler aux personnes qui verront cette petite vidéo qu'on peut acheter ce sac à la librairie du Centre culturel suisse. Et puis, quand on l'achète, on peut aussi faire des photos dans plein de situations différentes avec ce sac et les envoyer sur l'adresse du centre. Oui. On ne peut pas parler de toutes les œuvres, mais juste peut-être un petit mot sur les concerts de cactus que tu as donnés au Jardin des Plantes et au Centre culturel suisse ces deux derniers jours. Ça faisait longtemps que tu n'en avais plus fait, ces cactus crackling. Oui, Cactus Crackling, c'est un titre que j'ai donné à une CD que j'ai fait avec des musiciens. Et ici, il m'est venu de reprendre ce mot parce que, oui, je cherche toujours un peu un titre sonore pour ces pièces. Avec la grotte, ça n'a pas tout à fait fonctionné. Finalement, je suis grotto, c'est mieux. Peut-être c'est le son qui porte le contenu. Et comme ça, je suis venu sur ce titre. Et ça m'a fait beaucoup plaisir d'être invité, de faire un concert avec des cactus ici. Et de les. J'ai eu aussi le conflit avec la frontière de la Suisse française parce que je ne peux pas porter les miennes cactus à Paris. Et comme ça, on a le thème derrière. Mais en réalité, c'était énorme que j'ai vraiment trouvé des belles pièces. De cactus, des beaux cactus, des énormes cactus pour faire ce concert. Et la beauté au Jardin des Plantes, dans la grande serre, c'était que l'atmosphère est contre le cactus. Hein. C'est la même température, plus ou moins, c'est la même zone, mais le contraire, c'est très humide. Pour une forêt tropique, un concert de désert. Et nous, on est très contents parce que, en fait, à l'issue de cette double performance, eh bien, on a une nouvelle pièce, une nouvelle installation composée des cactus avec lesquels tu as joué. Ça sera également deux photographies et puis une vidéo qu'on va installer très prochainement. Donc, une pièce, une œuvre en plus dans l'exposition Performance Process. C'est aussi l'idée de cette exposition qui s'enrichit au fur et à mesure des contributions live des différents artistes. Christophe, un grand merci pour ton implication dans ce projet et bon vent à toi pour plein d'autres aventures. Merci. je veux remercier aussi tous qui m'ont aidé de réaliser les choses presque impossibles et c'était vraiment des jours énormes, attractifs pour un performeur. Welcome. Merci. Thank you.
Thank you.